Bien le bonjour et bien le bonsoir, on est à l'épisode numéro 6. Oui. Est-ce que vous êtes en train d'entendre? C'est mon chien qui a ouvert la porte. Ah bien. Viens mon gars. Bon, je reviens d'ici là parce que je dois fermer la porte quand même. Mon bébé, ferme la porte et quand tu ouvres la porte. Nous voici pour l'épisode 6. On y va direct, on enchaîne. J'espère que vous me voyez bien. J'espère que vous entendrez bien le son du jeu. J'espère que le son n'est pas trop fort. Ou ni trop faible. En tout cas, vous êtes à la compagnie du soleil unique, Tonton Jordino. Oui, c'est excellent. Excellent. J'aime bien, en fait, Tonton Jordino. Ça date. Un jour, je vous expliquerai peut-être l'histoire de la création du soleil unique, Tonton Jordino. Sans rien. C'était énorme. C'était énorme. Bref, let's go. J'espère que... Oh non, attendez. J'espère concrètement que ça... C'est le dernier épisode de l'histoire principale, faut pas oublier qu'il y a l'histoire bonus. Toi, je t'ai vu direct. Bon, on se concentre. Je l'ai vu. Tu me prends pas pour un pigeon. Je regarde ce qu'il y a. Il y a le trou. Il y a l'escabeau sûrement. C'est ce qui me semblait aussi. Et tu veux que j'en foute quoi? D'accord. On prend ça. Non. Ah, attendez. C'est pas vrai. Concrètement, c'est pas vrai. Je réfléchis, qu'est-ce que je peux en faire avec ça, mais je peux rien faire du tout. Attendez, ça se foutrait pas un peu de ma gueule? J'ai appuyé dessus tout à l'heure. Bon, il y a quelques instants. Bref. Je vais rien dire. Ah non 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 non. Regrouper toutes les clés identiques jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. Ah ok. Oh tu vois. Non. Oh mais qu'est-ce que je fais moi? C'était celui-là. En tout cas, j'espère que ça vous plaît des plus courts épisodes et surtout bien montés. Montés surtout, couper les passages inutiles. Moi, j'ai l'impression que l'épisode dure moins longtemps. Et aussi... D'accord. Et aussi, au moins, ça vous évite de laisser 10 ans sur le même endroit, le même mini-jeu. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaît plus mieux comme ça, comme je fais maintenant. Ça sera tout le temps comme ça, même pour les futurs jeux. C'est cassé, deuxième ampoule qui est cassée. Oui, bon, j'ai rien de tout ça. C'est trop... Comme par hasard, me diriez-vous. Comme si on savait qu'on allait utiliser pour ça. Dans ces jeux-là. Mais attendez, on est peut-être des divins. T'as une question? Non, mais c'est vrai. On prend des objets, on sait même pas quoi ça va nous servir, là, d'un coup. Tiens, comme par hasard. Ah là là. Alors, wow. Attendez, wow, je suis un peu fatigué. C'est comme d'habitude, de toute façon, on s'en fout. Il n'est pas prudent. Ah non, pardon. Il n'est pas prudent de toucher des charges électriques à main nue. Ah bah voilà, on a des gants spéciaux. Attendez, 115, 95 et 80, 65, 100. D'accord. Tu veux que j'en fasse quoi? Heureusement que le câble de la voiture est toujours opérationnel. Malheureusement, je ne peux pas ouvrir ce genre de serrure avec une épingle à cheveux. La pièce, ça va nous servir pour ça, je suppose. Il y a quelque chose là, je peux même pas l'utiliser. C'est peut-être pas un peu de ma gueule. Ah, on peut retourner en arrière. Je suis désolé de lui faire de mal. Mais bon, t'avais pas le choix. Attendez. C'est vrai que j'avais oublié dans le précédent épisode. Ouh. Tiens, en parlant du précédent épisode, il est toujours en train de... d'être, comment dire, publié en mode privé sur ma chaîne. Et oui, ça a duré plus de 3 heures. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre? C'est l'histoire de la vie de tonton Jordino. Est-ce qu'il est enfin opérationnel? Bien sûr, mais tu veux que j'en foute quoi?
C'est bon, il n'y a plus rien à faire ici. Attendez, tout ça pour ça, c'est quoi? Et voilà, voyez, voyez, ça me saoule parce que tout ça pour ça. Oh, on garde la pièce juste pour ça, intéressant. Concrètement, intéressant. Allez, s'il te plaît, boum, boum, boum. Ok, une, deux. Tout ça pour ça. Le bleu. Et le jaune. Ok. Ok. Réparer la boîte à fusibles en échangeant les fusibles jusqu'à que vous égalisiez la somme des fusibles avec les valeurs indiquées sur le tableau de gauche. Putain, tu t'améliores, tonton, c'est bien. Ok. Alors, lui, il ne faut pas le toucher parce qu'il est bon. Je crois. Ah, attendez, d'accord, je comprends mieux. Un petit calcul, c'est parti. 40. Le vert, c'est quoi? 90. Ok. Le violet, c'est 5. Merde. Mais. Attendez, le vert, je le verrai bien là. Il est où le 5? Il n'y a pas de 10. D'accord. Le bleu. Bien. Il n'y a rien qui fait 10 ici. Il n'y a rien du... Oh putain. J'ai fait tout défoncer le mec. Oh là là. Tonton, quand il se concentre, il peut tout gagner. Je suis désolé. Je vais abandonner parce que... Très complexe. Je suis désolé, hein. J'aime pas faire ça, mais... Waouh, ça fait déjà plus de 10 minutes que je suis dessus presque, hein. Non, un petit peu moins quand même, parce que 10 minutes, voilà, ça m'a fait perdre du temps. Non, je déconne quand même pas. J'en suis content. Mais j'y étais presque. Concrètement, j'étais vraiment, vraiment presque. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Et voilà l'accident. Il y a trop de choses à l'intérieur. Pas besoin de ça. Je t'ai vu, je t'ai... Allez, j'ai des gants. Tu veux que j'en foute plus? Trop léger. T'es pas assez. Tu veux prendre quoi d'autre? J'ai interagi, je n'ai pas besoin des chaussures. Ah ben voilà. Bah vas-y. Mais pourquoi on peut prendre des cartons? Je comprends pas. Si seulement j'avais quelque chose pour le casser. D'accord. Alors, voyons voir pourquoi on jette des cartons. Je vais pas descendre parce que si on peut l'utiliser, ça... Ok. Ouais, il se passe pas grand chose pour l'instant. Je me concentre. C'est déjà un miracle. Ah, voilà un mini-jeu. Ampoule de lampe. Ça, on peut pas l'ouvrir. Il y a des pièces. Il y a une boussole. Ok. Un ruban. Alors, attendez. Je fais d'abord ça. Au moins, ça s'ouvre. Je pense qu'il y a dedans. C'est tout. Hache de feu. Il y a pas. C'est quoi ça? Tuyau, briquet. Toujours pas. Des piles. Hein? Pourquoi tu veux un poisson? Quelle est l'utilité de ce poisson? Une corne. Ah bah voilà. Non, c'est pas ça que tu veux. Ah bah voilà. Une hache de feu, ok. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Une tasse. Une mitte. Alors, ruban, je vois pas. Ah si, il y en a une ici. Ah voilà, l'ampoule, je l'avais pas vu. Le troisième ruban, je ne le vois pas. Ah, il est là, oui, oui. Par contre, le briquet, c'est bon. Je suis là en train de me plaindre. Je trouve pas. Bon, en fait, il suffit juste de se concentrer. Oui, excellent. Tu veux que je fasse quoi? Voilà. La survie dans ce jeu est incroyable. Je le kiffe, le troisième épisode. Le troisième opus, hein. Franchement, je le kiffe. Hein. Trouvez les endroits sûrs où vous accrochez dans le bon ordre, ok? Pour pouvoir faire de l'ascension en toute sécurité. Non? Dégage araignée, s'il te plaît, merci. En plus, t'étais énorme. Une, deux, trois, quatre. Scorpion. Non, tu veux pas bouger? Okay. Ah bon? Voilà, là, ça se casse. C'est bon. Attendez, il faut regarder s'il n'y a pas des lutins ou autre. Hein. Une, deux. Oh, attention, ma télé. Oh, petit lézard, je suis désolé, mais bouge de là. Mais oui, c'est tout
quel jeu. Hein? Oh, mais non! Oh, je suis content. Je suis content, on a réussi à le délivrer lui aussi, notre ami. You again. My name is I can't remember. I am Mark. No, I remember. I'm Tom. Yeah, definitely. I am Tom. Are you searching for Professor? No, please, no. He will hurt you as he hurted me. C'est pas grave. Après, ce sera nous qui le ferons du mal. T'inquiète. Toi, je t'ai vu. Max, non. Tom. Mais qu'est-ce que tu me fais? Vas-y. Non, je peux pas descendre plus loin. Ok. Ok. Totem tout bizarre. Pourquoi il y a ce genre de choses dans ce système-là? Ok, il m'en manque plus que deux. Intéressant. Non. Ça bouge ici. Oui. Je suis allé te le lire. Oui, la branche n'est pas assez longue. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est, hein. Bien sûr. Genre, c'était ça qui le faisait bouger. Alors, placer les engrenages sur leur boulon dessiné. Ok. Et putain de taras, toi aussi. Tous les engrenages doivent être reliés et en rotation pour que le mécanisme fonctionne. Logique. Voilà, deux secondes parce que j'ai un peu de mal. Allez, clique si tu fonctionnes. Pourquoi tu veux. Mais je clique pas dessus. Il est con. Attendez, j'ai un problème parce que il est beaucoup trop grand en fait. Cette chose là. Mais non! Non. Non. Les amis, j'ai un problème, je crois que ce mini-jeu a littéralement bugué. Ou soit je ne comprends pas. Je peux pas poser là. On va passer. C'est juste parce que je comprends. Attendez, ça se fout pas un peu de ma gueule quand même. Bon, on va dire que je suis nul, pour être plus simple. Wow. Attends. Tu changes pas de forme toi? C'est ce qui me semblait aussi. Je sais que j'en ai. Il y a un bon paquet. Comment on dit? Ça m'emmerde un peu. Lui, je l'ai vu. Toi, je t'ai vu. I remember this cave. Take this. Intéressant. Du coup, c'est 3. Mais je peux même pas le faire. Ok. Intéressant. Je suis un peu perturbé là, j'essaie de me concentrer, je peux même pas faire ça. What is my name? I forgot it again. Une. Et deux. Il m'en manque plus qu'un. Ok. Bon, les amis, je comprends plus rien. On va faire ça pour la prochaine fois. Concrètement, on va faire ça pour la prochaine fois. Du coup, pour le 7e épisode, la suite continue toujours. Putain, on n'est pas prêt de terminer, je vous le promets. C'est pas très grave. Bref, mon but, là, c'est de terminer Légende Pokémon Arceus. Voilà, pour compléter certaines choses, certaines tâches, certaines missions, capturer les Pokémon qui me manquent. Voilà, c'est... Au moins, je le dis, ça va le faire bientôt. D'abord, je termine l'histoire principale, l'histoire bonus, et après, j'enchaîne sur Pokémon, et après je vais enchaîner sur des nouveaux jeux parce que j'avoue que c'est chiant et c'est long. Bref, je vous embrasse, bisous, bonne nuit à tous quatre, mes amis, prenez soin de vous, bordel. Je ne le dis jamais assez souvent ça, et tu cliques pour t'abonner, bien sûr que oui. Vous êtes en compagnie du seul et unique tonton Jordinou, d'un niveau de débutant de -0. Oui, c'est moi qui l'invente, on s'en fout. Bisous mes amis, et hâte de continuer cette aventure à vos côtés.